Ce que je voulais dire, ce que nous avons eu l'équivalent de Qasem Emin en Tunisie, c'est Tahar Hader. Tahar Hader, il a écrit un livre en 1930 qui s'intitule La femme dans la charia et dans la société. À partir d'un esprit éclairé, mais vraiment très éclairé, il était de l'intérieur même de l'islam et de la logique de l'islam, il était critique. Par rapport à la situation des femmes en Tunisie, il était pour le dévoilement des femmes, il était pour l'égalité entre hommes et femmes, il était pour la scolarisation des filles, etc. Et ce livre a eu un destin malheureux, parce que tous les ulémas de Tunis se sont jetés contre Tahar Hader, et il y a même un livre très célèbre, une réplique au livre de Tahar Hader qui s'appelle « Le deuil » sur la femme de Tahar Hader. Et c'est un des grands ulémas de Tunis qui l'a écrit. Pourquoi? Alors, c'était en 1930. En 1930, se passait quelque chose d'extrêmement important en Tunisie, parce qu'il y a eu la tenue d'un congrès chrétien, on peut dire, le congrès eucharistique, l'Eucharistie du Christ, qui était fait pour, par l'Église chrétienne, pas mal d'ailleurs, mais soutenu par la colonisation, le gouvernement colonial français, pour célébrer le centenaire de la colonisation de l'Algérie et le cinquantenaire de la colonisation de la Tunisie en 1930. Les ulémas de Tunis étaient participants, ils ont assisté à cet événement qui touche directement l'identité religieuse tunisienne. Ils n'ont rien dit. Ils étaient très complaisants avec l'événement. Mais quand le livre de Tahar Hader est apparu, ils se sont jetés contre Tahar Hader, ils ont condamné Tahar Hader, il y a eu un flot d'écrits, de répliques contre Tahar Hader. Pourquoi? On se demande pourquoi. Si c'est un problème d'identité pour eux, pourquoi ils n'avaient pas réagi d'une manière violente contre le congrès eucharistique et contre cette invasion chrétienne, si l'on peut dire, alors qu'ils étaient en moment de colonisation. Parce que pour l'esprit théologien incarné par ces ulémas tunisiens, le statut des femmes musulmanes était l'une des centralités de la foi musulmane. C'est ça. C'est ça la gravité de la chose. Et d'ailleurs, le livre qui s'appelle Le deuil sur Tahar Hader, tout ce qu'il a développé dans ce livre de plus de 150 pages ou de 200 pages, ce que Tahar Hader, en défendant une femme nouvelle, si l'on peut dire, est en train de détruire la foi musulmane. Parce que le statut des femmes musulmanes est le statut central de cette foi musulmane pour lui. Donc, de là, on voit la gravité théorique de la chose. Alors, maintenant, ce que je veux dire, vous avez parlé des mentalités. Qasem Emin aussi a parlé des mentalités et des changements des mentalités. Moi, je pense que nous sommes actuellement, et depuis le temps de Qasem Emin, nous sommes dans une phase de crise de la culture, dans le sens d'Anna Arendt. La culture, dans ce qu'elle est fondamentale, dans ce qu'elle est un fondement de la personnalité collective d'un peuple. Il y a une crise de la culture. Et actuellement, parce qu'on pense toujours à partir des soucis du temps présent, même quand on pense à l'histoire, actuellement se pose une grave question. Pourquoi les islamistes d'aujourd'hui ne renouent pas, n'ont pas renoué avec Qasem Emin, avec Tahar Hader, mais ils renouent avec ceux qui étaient contre Tahar Hader et contre Qasem Emin pour reproduire un schéma très dégradant pour les femmes? C'est ça la question à laquelle on doit réfléchir.